Bronson English est numéro un des formations à l'anglais pour adultes en France. On a 50 écoles en France. On est de très loin numéro un, à la fois en termes de réseau et en termes de chiffre d'affaires. Et on compte doubler le réseau, la taille du réseau sous 10 ans. Essentiellement de l'entrepreneuriat, du commercial, tout ce qui est support, service après-vente, méthode, même le fait de parler l'anglais, tout ça on fournit. Donc il faut avant tout être un bon commerçant. Les conditions d'accès au réseau, il y a deux types, ça dépend de la taille de la zone. Il y a deux tailles de zone. Il y a une première taille de zone à 250 000 habitants, c'est un droit d'entrée à 80 000 euros. Des zones à moins de 100 000 habitants, parce que malheureusement les 250 000 habitants sont un peu prises, qui a un droit d'entrée à 50 000 euros, mais ce n'est pas tellement le tarif du droit d'entrée qui compte, c'est ce qui reste à la fin. Et il reste quand même entre 15 et 20% de résultats d'exploitation à la fin. Les étapes d'intégration, il y en a 6 exactement. Il y a une première phase de recrutement, soit par notre service développement, soit par des recruteurs de franchisés. Puis on les reçoit, si tout se passe bien, on leur présente le contrat, parce qu'il faut avant tout qu'on s'entende sur le contrat, sinon ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Une fois que le contrat est validé, on ne vous donne pas beaucoup d'informations, on vous envoie chez nos franchisés pour que vous puissiez constater qu'il y a une relation entre franchiseurs et franchisés au sein du réseau Wall Street, qui est très différente de celle des autres réseaux. Je n'ai aucun conflit avec mes franchisés et ceci est lié au type de contrat que nous avons, qui est un contrat participatif. On investit aux côtés des franchisés. Les royalties, par exemple, ne sont pas prises sur les ventes, ne sont pas prises sur le chiffre d'affaires, mais uniquement sur les encaissements quand le franchisé a réellement reçu l'argent. Donc c'est un réseau qui est géré en bon père de famille, même si on n'a plus le droit de dire bon père de famille, mais bon, c'est géré en bon père de famille et on est partenaire avant tout. L'actualité du réseau, c'est on a 50 centres aujourd'hui. On a décidé d'en ouvrir 50 nouveaux, des plus petits, essentiellement dans des zones, bon, bien entendu, un peu plus petites, mais parce que la nouvelle loi de la formation continue, à mon avis, est particulièrement porteuse et pour les 5 à 10 ans à venir, ce qui n'est jamais arrivé en 30 ans. Appelez nos franchisés.